voilà, mais en fait, un peu fragile, mais tu vois, je peux toujours profiter des nouveautés de gameplay. Ouais, et monter. Tu vas aller voir. Oh là là. Voilà. C'est fort. Oh, vas-y. Ah, bah, j'ai voulu déclencher. Ouais, la super attaque. La super ça. Attaque. Tu vas monter au solo. Oui, je vais monter en solo. Alors, peut-être pas aussi que je vais pas monter de l'AO5, mais forcément, on va en faire du coup. Tu vois, c'est-à-dire, on va lâcher comme ça, tourner, dévisser, s'accrocher sur les rebords, se succéder. Ça permet d'atteindre. Où est-ce que les maps sont faites? Pas vu, c'est minable.
Tu vas le faire en solo? Ouais, je vais la tenter. Ouais, il me sent mal. Ouais, il a son pote qui le protège en plus. Oula. Ah. Ouais, c'était alors, une bonne idée. C'était une excellente idée. Ouais. Les boss de ce genre, alors après celui-là, c'est. Enfin, les boss communs, t'as mis ces joueurs, mais les boss forerunner, il est quand même conseillé de les attaquer à plusieurs. Ouais. Parce qu'ils sont assez violents et pas que le monde. On va faire des contacts par les boss forerunner. C'est le bon warfare, mais surtout le système de réquisition. C'est un mode de jeu qui est rendu avant tout pour le fun et pour pouvoir un maximum de joueurs, que ce soit les directeurs de Halo. C'est fun, c'est bien pensé. Merci beaucoup pour ce deuxième GL, on est en troisième GL. On va partir sur l'arena. Regarde, dans un projet de jeu, c'est pas tout le jeu comme ça. Le jeu de jeu, le jeu de jeu, le jeu de jeu. A tout de suite, à tout de suite.